Excellence, Monseigneur Kenel Alphonse, évêque du diocèse de Fort-Liberté. Révérend Père Jean-Jacques Séluy, supérieur provincial des missionnaires enfantins en Haïti. Révérend Père Wilfried Cavalier, supérieur des franciscains en Haïti. Révérend Père Concélébrant, chers diacres, chers ordinants, religieux et religieuses, parents et amis, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous sommes rassemblés en Église en ce jeudi 13 juin 2024 pour rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a réalisées dans notre vie, en particulier dans la vie de nos trois frères, Amos Bourbon, Joazinski Blanc et Pierre Jetson Joseph, qui au cours de cette célébration seront ordonnés diacres par l'imposition des mains de Monseigneur Kenel Alphonse, suivi de la prière consécratoire pour le service de l'Église et du peuple de Dieu. Diacrio a bien placé dans l'hôtel Ramekla, qui a observé Père Pontier et spécialement dans proclamer l'Évangile Jésus-Christ, dans célébrer baptême, dans béni mariage, dans visiter malade. En effet, la liturgie nous invite à être des serviteurs de tous. Car il est écrit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Au cours de cette célébration, nous allons prier les uns pour les autres, notamment pour les futurs diacres. Demandons au Seigneur de nous donner l'esprit de sagesse et d'intelligence afin que nous puissions devenir des serviteurs justes et bons à l'instar du Christ. Sur ce, sœurs et frères, levez-vous pour chanter les merveilles de Dieu. Thank you.
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le diacre Luxembourg-Fibo Chéri va appeler les candidats, chacun par son nom, puis nos supérieurs professeurs et missionnaires de Fontaine Haïti, Père Jean-Jacques Saint-Louis et le Père Luc-Louis Cavalier, supérieur des franciscains en Haïti, à leur tour les présenteront à l'évêque, ce dernier dans un bon dialogue, va les questionner sur l'aptitude des candidats à se conformer à la charge diaconale et à se conformer aux exigences de ce ministère. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Amos Bourgoine. Me voici. Joazinski Blanc. Me voici. Pierre Jusson Joseph. Me voici. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté. Ceux à qui la portion d'un sujet est envoyée leur actif. Et moi, j'atteste qu'ils ont été fugitifs d'être ordonnés. Cette église, notre mère, la Fondation franciscaine de Sainte-Croix et l'autre frère-mère à Haïti vous présente notre frère, Pierre Jusson Joseph, et demandant de l'ordonner pour la charge du diacre. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté, ceux à qui il appartient d'un fugé, on nomme leur avis. Aussi jamais qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Amos Bourgoine, Vassels Ibrahim, Pierre Jusson Joseph, vous êtes prêts à vous engager. Voulez-vous? Pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, gardez toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain. Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. À présent, sœurs et frères, unissons nos voix avec la chorale pour manifester notre joie à travers le Gloria, le monde.
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir. Accorde à tes serviteurs, Amos Beaubois, Wassemski Blanc, Pierre Judson Joseph, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans le service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons cette lecture du livre des Noms, au chapitre 3, les versets 5 à 9. En réponse à cette lecture, nous méditons avec le psaume 116, ayant pour refrain « Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile ». Dans la deuxième lecture, nous allons découvrir comment les apôtres avaient procédé, après qu'on leur a présenté les sept hommes choisis parmi les disciples pour le service d'État. Ils ont d'abord prié, par la suite ils leur ont déposé la main. Cette lecture est extraite du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, le verset 1er, jusqu'à la deuxième partie du verset 7. Soyons attentifs. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Il dit, fais approcher la tribu de Lévi, qu'elle soit à la disposition du prêtre Aaron pour l'assister. Les Lévites prendront soin de tout ce qui est confié à sa garde et à celle de toute la communauté. Devant l'attente de la rencontre, ils accompliront le service de la demeure. Ils prendront soin de tous les objets se trouvant dans l'attente de la rencontre et de tout ce qui est confié au fils d'Israël. Ils accompliront le service de la demeure. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. C'est eux, les Lévites, qui, parmi les fils d'Israël, leur seront entièrement donnés. Parole du Seigneur.
dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmena et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses disciples et leur dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ici. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu.
Frère Maximio, c'est avec un pile que content que vous acceptez l'invitation provinciale à Montfortin pour être capable de présider la célébration, ordination diaconale de Amos Beaubrun et Joachim Ski Blanc. Et en étant même invitation ça, moi de recevoir appel supérieur régional franciscain en Haïti pour être capable d'ordonner diacre Pierre Jusson Joseph. Profitez l'occasion pour me remercier Monseigneur Max Leroy Messidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, qui t'a facilité une tâche pour être capable de faire ordination ça. C'est ça, l'Église, non? Une grande famille. Frère Maximio, tout simplement, et en peu de mots, moi t'ai aimé nous comprendre et nous entrer dans la liturgie ordination diaconale. C'est un premier pas, c'est un premier degré. Jean, la prière pour ces 4 ans, dit-il, il y a l'ordre des diacres, l'ordre des prêtres, l'ordre des évêques. Et ces premiers passages, Amos Joachimski, Pierre Jusson, préfet. Et à travers passage, je me dis tout à l'heure, d'aller tout simplement nous saisir sans célébration ça, c'est à travers Jésus. Voilà, on pourrait dire la richesse de la liturgie de l'Église catholique. Ce sont les gestes. Des gestes accompagnés d'une parole. Vous savez que dans tout ce qu'il a, nous avons suivi, nous recommandons à Amos Joachimski, Pierre Jusson, c'est vrai pour commodité, hein, à cause de configuration des chapelles là, et c'était très bien pour moi-même, nous voyons tous les trois des. Dans le temps, il était sur le même banc avec nous. Pour qui ça? Et c'est ça le premier geste. Ils ont été appelés. Ce n'est pas eux-mêmes qui décidaient. C'est vrai, c'est un choix personnel, mais il faut y aller dans la mission ça. Il faut y aller dans le service. Et c'est de ça que nous avons regardé bien, Noé, comment nous avons détaché de bon. De façon pour dire que voilà, il y a un appel, mais cet appel, ce n'est pas une promotion. C'était que plus fort dans nous, là, d'accord, que ce n'est pas la graduation que nous venons. D'accord, mon Dieu. Et même dans tout nous voyons déjà que ce n'est pas graduation. Vraiment, ça c'est un cadeau qu'il a. C'est une célébration liturgique qui n'a pas qu'être signification, qui n'a pas qu'être symbolisant la dernière. Et le premier patient, et c'est ça que nous avons maintenant attentif, ils ont été appelés pour servir. Voilà. Servir, voilà le mot clé pour comprendre
Tout le symbolisme de cette célébration, c'est le service. Appelé pour servir. Et à la fin de la célébration, ils seront envoyés pour servir. Là, il s'est écrit deux paroles, ça y est. Appelé pour servir, envoyé pour servir. La répétez-vous. Appelé pour servir, envoyé pour servir. Et c'est ça, sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et ça qui fait le lendemain, ça qui fait le capable de dire, le cœur de la célébration, c'est l'imposition des mains par l'évêque et la prière consécratoire. Ben, c'est important. Jusqu'où il y en a, nous bon toujours. Parce que hier, j'ai eu un petit malaise de santé. Il dit, monsieur, Kembe, jusque-là, jusqu'à ce que vous mettez sous tête, non. Et puis, fait prier là, vous savez, là. Parce que si vous battez le seul qui est là, parce que vous avez tout peur qu'il ait additionné l'un avec l'autre, il ne va pas faire rien là. Même si additionné l'un sous l'autre, empilé, font beau côté qu'il est là, il ne va pas faire rien là. Monsieur, priez bien. Maintenant, je ne vais pas aller tout. Mettez les mains sous tête, nous, et puis faire la prière. Mais ça, bon, maintenant, tout peur qu'à faire ça. D'accord? Voilà. L'imposition des mains et la prière consécratoire. Voilà le cœur de la célébration. Côté moi-même, va poser main sur tête. Donc, comme c'est pour le diaconat, si c'était pour le presbytère, c'est toute paix qui d'abord le fait, mais pour le diaconat, c'est l'évêque seul qui impose les mains. Alors voilà, frères et sœurs, on pourrait dire l'essentiel. Mais il y a un autre élément que je voudrais ajouter dans la célébration de la liturgie pour l'ordination diaconale, c'est la remise de l'évangile, de la parole de Dieu. La remise de la parole de Dieu. De ça m'a fait, Béchac, puis Denis, c'est Pierre Judson, les fils de Balib, et qu'il a déposé en bon. Voilà, donc le diacre, c'est ça, non. C'est un service. La diaconie, c'est un service. Le mot le dit bien. Un service. Un service désintéressé. Un service fait avec beaucoup d'amour. Un service fait avec beaucoup de passion. Voilà ce que je suggère pour Amos Krasinski et Pierre Judson. Exercez votre diaconat avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Nous pensons à quand je dis au monde, il est passionné, il pote sujet à. Nous aimons sujet à. Nous sommes capables de ça dans le sport, des gens qui sont passionnés, mais qui sont fanatiques. Ils ont beauté. Nous avons longtemps qu'on est des fanatiques. Il a fait un mois avec même Maïma Soyo pour l'équipe de la bêtise. Il a fait un mois parce qu'il n'y a pas d'équipe de la bêtise. Non. Voilà. C'est la passion et pour vous dire la passion pour le service, mais un triple service. Le service de la parole, le service de l'autel, le service du frère. Voilà ce qu'on attend du diacre. Ce triple service, le service de la parole, le service de la table, le service du frère. En ce sens que,
à travers le service de la parole, vous avez comme mission non seulement de vous familiariser avec la parole du Seigneur, mais de partager cette parole, de faire vivre les gens à partir de la parole de Dieu, que la parole que vous annoncez apporte un surcroît d'espérance à ceux qui donnent l'impression d'avoir tout perdu. Donc, passionné de la parole. Et c'est ce que d'ailleurs, quand je vais vous remettre la Bible, la parole de Dieu, je vais prononcer ces paroles importantes. Pour Amos Wasserski et Pierre Jusson. Recevez l'évangile du Christ que vous avez pour mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Voilà, cher diacre, cher futur diacre, les trois mots importants pour arriver à ce service de la parole. Croire, enseigner et vivre. Voilà les trois mots importants. Croire, savoir annoncer un quoi. Quoi dans sa vie. Et pour quoi dans sa vie, il faut être capable de vivre. C'est ce que dit l'apôtre Jean. C'est ce que nous avons médité, ce que nous avons contemplé, que nous vous annonçons. Moi, que vous soyez des hommes convaincus et convaincants. Que l'un a parlé, l'un a pas parole là. Que peuple Dieu qui a écouté parole là, senti que dans la parole ça a un regain de vitalité. Pas donner une parole pour faire plaisir aux gens. Pas bah, une parole pour dire de temps en temps, nous besoin d'applaudir, non. Nous besoin de dire Amen, non. Mais la force de la parole vient de la conviction de celui qui la donne. Si vraiment vous convaincu, si vraiment vous sentez que ça va annoncer, c'est vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous sentez que quel que soit le monde, la sortie que Dieu nous a. Et c'est ça que pour Dieu, je vous dis. Surtout dans les conditions difficiles que nous avons traversées là. Surtout dans les grandes épreuves que nous avons traversées, côté parole, commencer à perdre son sens. Parole, commencer à perdre élan. Dernièrement, nous avons dit nos petites soeurs aux États-Unis, nous avons expliqué l'importance de vivre ensemble. Il dit, oh, on n'a pas de monde. Vivre ensemble, pas répéter bien ça. Il a compris, c'est pas mieux que vous. Oui, les mots perdent leur sens. Alors, vivre ensemble, c'est très bien. C'est l'essentiel de la vie chrétienne. Mais pour y aller, il faut bien vérifier pour voir si c'est vrai, si vous vivez ensemble. Donc, ceci est très important. Soyez des hommes convaincus de vivre ce que vous annoncez. Vivez ce que vous enseignez. Donc, dans ce sens que c'est à travers votre état, à travers votre personne. Parce que quand les gens disaient à propos de Jésus, voilà un homme qui parle avec autorité. En ce sens, il y avait un lien très étroit. Il n'y avait pas de différence entre son état de vie et l'annonce de la parole. Ce qui donne la puissance à la parole, c'est la cohérence.
Amos Kwaczynski, hier, l'étude sonne que vous soyez cohérents. Ce que vous annoncez, vivez. Fais parole passer dans la vie, plutôt fait être violence. Commencez à prêcher tête avant de prêcher l'autre. Donc ceci est très important, et je pourrais même dire, est vital pour ce service d'église, le service de la parole. Mais il y a un autre service, c'est le service de la table. En ce sens, c'est le service de l'autel. Donc déjà, c'est un entraînement. Le diaconat vous entraîne déjà au presbytère. Mais tout ce jour maintenant, pas dit l'homme après, tout ce jour maintenant. Et comme nous le disons, comme ceci est très important pour nous. Donc ce ministère, c'est aussi recevoir l'offrande du peuple saint. Et c'est pas le service. Hein. Le service de l'autel, c'est sanctifier le peuple de Dieu. Préparer le peuple de Dieu à cette rencontre finale à la Jérusalem céleste. Donc c'est pourquoi je vous encourage et à faire ça avec tout votre être. Comme il avait dit pour la parole, la même passion. La même passion. Le même dévouement pour le service de l'autel. Et l'autre service, je l'avais souligné, c'est le service du frère, au service de tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui attendent de vous une certaine disponibilité. Et c'est ça que vous devez dès maintenant vous exercer à la disponibilité. Se rendre proche des gens, être miséricordieux, zélé, marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous. Donc voilà, vous mettre au service du frère, au service du prochain, au service de ceux et celles qui attendent de vous une proximité. Voilà en quelque sorte, vous qui assistez, vous qui êtes là, l'essentiel du service du diaconat, service de la parole, service de la table, service du frère. Mais je voulais tout simplement ajouter pour vous, comme le dit si bien, comme nous le disons si bien, de la prière consécratoire, voilà les dispositions qui pourraient vous aider à être plus efficace. Il appartient au diacre d'administrer solennellement le baptême, de conserver et de distribuer l'Eucharistie, d'assister au nom de l'Église au mariage et de le bénir, de porter le viatique au mourant, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d'être ministre des sacramentaux, de présider au rite funèbre et à la sépulture. C'était que pendant ma prière, là, nous étions, ah, mais comme ça déjà, mon Seigneur, il doit le plus vite. Voilà, c'était juste pour mémoire, pour que le peuple de Dieu puisse se rappeler que vous avez une mission importante, une mission vitale pour le bien de l'Église. Monsieur le Saint-Frère Maxeur, nous voulons porter et nous devons porter dans la prière. Amos Kwaczynski et Pierre Judson. Pour que vraiment il y ait à la hauteur de mission importante que l'Église n'a confiée. J'ai dit bien des missions importantes. Mais nous connaissons bien
c'est grand maintenant qu'a réalisé tout le temps. C'est ça m'encourager nous dans la prière, dans la réflexion. Pour que vraiment nous ayons grand amour pour le choix ça que nous faisons et que certains que l'Église Jésus-Christ en Haïti, l'Église universelle, va bénéficier du service diaconal de Amos Wasowski Pierre Jetson. Je demande à Maman Marie, Maman Cœur Sensible, pour l'accompagner, pour que tu aies toujours été de bons et fidèles serviteurs. Thank you.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Amos Joachimski, Pierre Judson, voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme si l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et de la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Amos, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Joachimski, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pierre Judson, promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et votre supérieur légitime dans le respect
et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Ordination, nous prions tout Seigneur, notre l'Église dans le ciel-là, unis avec nous pour la prière de Dieu. Pendant ce temps, ordinaire pour toucher à terre, qui c'est un geste d'humilité, en nous disposant pour nous vivre. Avec les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répondre sur Amos, Wasserski, Pierre Judson, la grâce de sa bénédiction.
gardé dans la sainteté de ton service le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de mettre pour les peuples une entente et une paix sincère.
sois avec nous, Dieu le puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous se contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres des trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des sept dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent le soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'Esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi. Qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Un quatrième moment, ordination,
La rancœur a avancé à Étolieu. Et puis Dalmatikio, où évêque là, béni. Après ça, il a retourné à le camper, beaucoup de diapio. Pendant un père, a avancé, il a habillé le chat. Étolieu a passé en travers sous Étolieu. Après ça, il a mis Dalmatikio là. Après père, il a habillé diapio. Évêque là, a pu mettre l'évangile au Dieu. Qui a une mission pour annoncer. Pour finir, l'évêque là, à Claudia qui l'a, a accueilli avec une accolade fraternelle. Dieu éternel et tout puissant, toi dans la parole consacre et sanctifie toutes choses, et qui a tout le pas substitué la tribu de Lévi à tous les premiers-nés d'Israël, et substitué tes clercs et tes prêtres à cette même tribu de Lévi, nous te supplions de répondre ta bénédiction. L'œuvre de l'Esprit Saint sur cette étoile et cette almatique que tu as créée pour le service divin qui t'est dû. Dès de faire en sorte, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu descends et des anges, que la grâce de tes saints mystères descende sur tous ceux qui s'en revêtent, afin qu'ils apparaissent saints, purs et sans reproche dans ta présence, et qu'ils soient soutenus par ta miséricorde, et que selon ta loi et pour ta gloire, qu'il soit le symbole de la foi et du zèle apostolique. Fais en sorte de Seigneur que, par l'évocation de ton Saint-Nom, ils en reçoivent avec la santé du corps et le salut de l'âme, l'ardeur et la persévérance de la foi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Thank you.
recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Jasemski, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils a voulu laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ. Accorde-nous le même esprit d'humilité et de service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Donnons grâce au Seigneur, notre Dieu. De t'offrir notre action de grâce en toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui n'auront pas à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Oh.
toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de prière. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'année même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez sans tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Afin sa mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Au cœur du Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli ton alliance, que nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, spécialement c'est à toi de Paris, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, Pape François, pour l'archevêque Max Leroy, et nous prions pour Mgr Kessnel qui préside cette célébration, l'ensemble des évêques et les prêtres, nos frères diacres, frères Gilson, frères Jomski et frères Amos, qui viennent d'être ordonnés diacres, les autres diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille, assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père, aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et les femmes, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous en pardonnons soucis. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
le Seigneur. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, grâce garde ces nouveaux diacres toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité pour ta gloire et le salut des croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Excellence, Monseigneur, Kenel Alphonse, évêque de Fort-Liberté, révérend Père Jean-Jacques Saint-Louis, supérieur provincial d'Elmfontein en Haïti, Frère Wilfried Cavalier, supérieur des franciscains, cher Père Joseph Fillon, responsable du foyer de charité à Port-au-Prince, chers confrères dans le sacerdoce, chers nouveaux diacres, chers religieux, religieuses, chers parents de nouveaux diacres, amis distingués, invités, peuple de Dieu, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. La famille Montfortaine et la famille franciscaine sont heureuses d'accueillir en leur sein ces trois nouveaux diacres, Amos Beaumont, Joachimski Blanc et Pierre Judson Joseph. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson. Nous sommes tous conscients de la délicatesse du temps actuel pour un jeune d'accepter d'emprunter la voie de la vie religieuse. Mais nos trois frères que voici se sont armés de courage et d'audace pour pouvoir répondre favorablement à l'appel du Seigneur dans la vie religieuse et dans le ministère de la diaconie. En des mots plus élogieux, j'aurais pu les qualifier de héros ou de braves, mais je crois que comme Saint Paul, ils se sont reconnus petits devant le Seigneur en se disant chaque jour, je puis tout en celui qui me fortifie. La route a été plus ou moins longue. Ils ont dû traverser des frontières, des barrières de langue et de culture. Ils ont dû s'adapter à des climats et à des coutumes. Mais ils ont gardé la foi. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir entendu les prières de son Église et de nos deux congrégations en nous faisant don de ces nouveaux
accueillir l'évangile du Christ, pour pouvoir porter du fruit d'amour, de témoignage et de service. Mais le Seigneur a mis sur le parcours de nos frères de bons samaritains qui leur ont permis de discerner leur vocation et de l'approfondir à travers la formation initiale. C'est pourquoi je tiens à remercier les administrations montfortaines et franciscaines pour avoir su faire route avec nos jeunes confrères pour arriver jusqu'ici. Merci à tous les confrères prêtres et formateurs qui ont apporté leur contribution dans cette œuvre formative à travers les différentes étapes de la formation en Haïti ou ailleurs. Un grand merci aux différents instituts qui ont assuré la formation académique de nos diacres. C'est SADES, le grand séminaire d'Haïti pour la philosophie, ICEF et CIFOR pour la théologie. La famille de sang joue un rôle important dans l'éducation d'une personne humaine. Nous ne saurions oublier les parents de nos jeunes frères diacres qui ont su prodiguer les ABC de la foi à leurs enfants et ont accepté de les donner à l'Église. Que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous avez donné. Maintenant, je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette belle cérémonie d'ordination. En premier lieu, Monseigneur Alphonse Kennel, qui a accepté généreusement de faire un assez long et difficile parcours afin de présider cette célébration. Merci à notre cérémonière, le Père la Douceur, Père Wimale. Merci aux actants liturgiques, commentateurs, lecteurs, chanteurs. Merci à la grande chorale de la paroisse Saint-Louis, ma fille aînée, qui nous a gratifié d'une belle animation. Merci aux musiciens, aux servants d'hôtel, aux membres de l'accueil. Merci aux responsables du foyer Sainte-Marie et à tous les membres qui ont appuyé dans un cadre approprié qui invite à la prière. Merci aux différents médias qui ont fait le déplacement pour pouvoir couvrir cet événement et qui ont permis à des milliers d'internautes de le suivre en direct ou en différé. Enfin, merci à vous tous et toutes, sœurs et frères bien-aimés, d'être venus entourer nos frères diacres de vos prières et de votre affection fraternelle. Que Dieu vous bénisse et fasse fructifier le ministère de nos frères diacres. Merci, merci, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé à être au service des autres de son Église. Qu'il vous donne un grand dévouement envers tous,
spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ. Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Amen. Amen. Dieu a fait de vous des intendants de ses mystères. Qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.